Un jour, alors que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, enseignait, une foule de gens vint pour l'entendre. Parmi eux se trouvaient des chefs religieux, appelés scribes et pharisiens. Lorsqu'ils virent dans la foule des gens qu'ils considéraient pécheurs, ils ne furent pas contents. « Cet homme, dirent-ils en parlant de Jésus, il reçoit les pécheurs et mange avec eux. » Bien sûr, Jésus les recevait. C'est pourquoi il a quitté le ciel et est venu dans ce monde, pour recevoir les pécheurs et les sauver de leurs péchés. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela signifie qu'aucun de nous n'est parfait et juste comme Dieu lui-même. Même pas les scribes et les pharisiens. Tu vois, les scribes et les pharisiens pensaient qu'ils n'étaient pas pécheurs. Parfois, quand ils allaient au temple pour prier, ils disaient à Dieu combien ils étaient bons et toutes les bonnes choses qu'ils faisaient. Nous ne sommes pas comme ces pécheurs, pensaient-ils. Mais Jésus savait ce qu'ils pensaient, il savait que leur attitude était mauvaise, et il savait aussi qu'ils ne faisaient pas plaisir à son Père, Dieu. Ils ne comprenaient pas que Jésus n'était pas venu appeler ceux qui pensaient qu'ils étaient assez bons. Il est venu appeler les pécheurs à se repentir de leurs péchés, à vraiment regretter leurs péchés et à se détourner d'eux. Penses-tu que tu sois assez bon pour plaire à Dieu? Assez bon pour aller au ciel un jour? Que tu n'as pas besoin du Seigneur Jésus pour te rendre juste devant Dieu? Pour aider ces scribes et pharisiens à comprendre, Jésus leur parla d'un homme qui avait deux fils. Nous ne savons pas quels étaient leurs noms, mais pour notre histoire, nous les appellerons Pierre et Jacques. Leur père était agriculteur et il semble que ses fils aidaient au travail de la ferme. Leur père les aimait et je suis sûr qu'ils avaient un bon foyer et avaient tout ce dont ils avaient besoin. Dieu est comme cela, il fait pousser les cultures dans les champs et l'herbe pour donner à manger aux animaux. Pense à tous les fruits et légumes, le lait, le fromage et les différentes sortes de viande, les œufs et les céréales et toute autre chose dont nous avons besoin. Il nous donne le soleil et la pluie et un monde magnifique pour y vivre. Pense aux vêtements que tu portes, à la maison dans laquelle tu vis, à ton téléphone portable et à des milliers d'autres choses. Ils viennent tous de ce que Dieu a créé. Le louons-nous pour sa grandeur et le remercions-nous de nous fournir ce dont nous avons besoin? Mais Pierre n'était pas heureux. Il n'aimait probablement pas tout le dur travail et devoir faire ce que son père voulait qu'il fasse. Il n'était pas satisfait et aspirait dans son cœur à partir et à s'amuser, à faire ce qu'il voulait. Il savait bien sûr que lorsque son père mourait, une partie de l'argent de son père et d'autres choses lui appartiendraient. Mais il ne pouvait pas attendre jusque-là. Alors, un jour, il dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Nous ne savons pas ce que le père a dit ou ce qu'il a pensé. Mais je pense qu'il a dû être malheureux à cause de la demande de son fils. Peut-être a-t-il pensé, « Pourquoi veut-il son héritage maintenant? Voudrait-il que je sois déjà mort ?» Il s'est bien sûr rendu compte qu'il ne pouvait pas donner juste à un fils et pas à l'autre. Alors, il partagea tout ce qu'il possédait entre ses deux fils. Il semble étrange que Pierre n'ait pas été reconnaissant de la bonté de son père. Jésus dit que peu de temps après, ce jeune homme prit tout ce que son père lui avait donné et quitta la maison. Son père a dû être très blessé et s'est sans doute demandé où irait son fils et ce qui lui arriverait. On nous dit qu'il est allé dans un pays lointain. Il semble qu'il voulait partir le plus loin possible de chez son père et de sa maison. Il ne voulait pas que d'autres lui disent ce qu'il avait à faire. Il voulait être libre de se faire plaisir, de choisir ses propres amis et d'aller où il voulait, libre de faire ce qu'il voulait, comme il s'amuserait.
Je me demande, es-tu un peu comme cela? Tu ne veux pas avoir à faire des choses que tu n'aimes pas faire. Tu souhaiterais pouvoir être libre de faire ce que tu veux. Que se passerait-il quand tu seras plus vieux? Vas-tu juste vivre pour te faire plaisir? Pierre pensa que c'était formidable. Maintenant, il n'avait pas de problème. Tous ses soucis étaient partis. Comme c'était bien mieux que d'être chez lui dans la maison de son père. Il a peut-être pensé « Je vis vraiment ». Que jouer et ne pas travailler? Il avait toujours rêvé d'une vie comme celle-ci. Mais la vie, ce n'est pas cela. Dieu nous a créés, toi et moi, pour lui, pour vivre, pour lui plaire et le glorifier. Il a un plan pour ta vie, mais tu dois être disposé à le laisser te conduire selon sa voie. La voie de Dieu est toujours la meilleure. Pierre était un jeune homme très stupide qui allait bientôt découvrir que sa voie était la mauvaise voie. Mais pour l'instant, il s'amusait et je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui prétendaient être ses amis et l'aider à dépenser son argent et l'encourager à commettre des actes qui sont des péchés. Mais tant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, peu lui importait s'il péchait contre Dieu ou blessait son père et d'autres personnes. Jésus dit qu'il a gaspillé tout ce qu'il avait et qu'il a vécu dans le péché. Est-ce que ça te fait quelque chose si tu pèches contre Dieu ou si tu blesses les autres? As-tu déjà été rancunier envers quelqu'un parce qu'il a été choisi pour faire quelque chose que tu voulais faire? Est-ce que tu étais jaloux de lui et est-ce que tu voulais prendre ta revanche? C'est un péché et Dieu voit ton péché. Les choses allaient bien pour Pierre et tant qu'il avait de l'argent à dépenser, il était heureux. Mais il n'a jamais pensé à ce qu'il ferait quand il n'aurait plus d'argent. Il ne travaillait pas et donc il ne gagnait rien. Un jour, il s'est soudain rendu compte qu'il n'avait rien. Rien pour payer une chambre pour dormir, rien pour acheter de la nourriture. Et ses soi-disant amis l'avaient quitté. Personne ne voulait de lui ou ne se souciait de lui maintenant qu'il n'avait plus d'argent. Et puis, les choses n'ont fait qu'empirer. Il y a eu une famine dans ce pays. Les cultures ne poussaient pas dans les champs et seuls les gens riches pouvaient acheter de la nourriture. Mais Pierre n'était plus riche. Pas d'argent. Nulle part où vivre. Pas de nourriture à manger. Pas d'amis pour l'aider. Que ferait-il maintenant? Maintenant, il fallait qu'il travaille. Mais où? Finalement, il a trouvé un éleveur de pourceaux qu'il a envoyé dans ses champs pour nourrir les pourceaux. C'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Tu vois, les gens qui écoutaient Jésus pendant qu'il racontait cette histoire savaient qu'en tant que juif, ils n'avaient rien à faire avec les pourceaux. Alors, ils ont réalisé que le jeune homme de l'histoire devait faire quelque chose qu'il détestait. Alors qu'il était assis dans le champ jour après jour, regardant les pourceaux manger les restes de nourriture qu'il leur donnait, il s'est senti très mal. Il avait tellement faim qu'il aurait même pu manger la nourriture des pourceaux. Mais personne ne lui en donnait, il ne voyait aucun espoir pour l'avenir. Il était séparé de son père. Perdu dans un pays lointain sans personne pour l'aider. Et pendant tout ce temps, son père guettait probablement son retour, surveillant et attendant, espérant que son fils rentrerait à la maison. Suivre notre propre chemin mène toujours à des ennuis, même si les choses semblent aller bien pendant un certain temps. À la fin, nous serons séparés de Dieu sans espoir. Beaucoup de filles et de garçons, quand ils ont grandi, ressemblent à ce fils cadet. Ils veulent suivre leur propre chemin au lieu de suivre celui de Dieu. Ils ne se sont jamais détournés de leurs péchés et n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ils n'ont jamais appris à mettre Dieu en premier dans leur vie. Qu'en est-il de toi?
Vas-tu suivre le Seigneur et lui obéir ou suivre ton propre chemin? Nous ne savons pas combien de temps cela a duré, mais finalement, Pierre s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Il en avait assez de vivre. Il pensa à la maison de son père et aux serviteurs de son père. Combien de serviteurs de mon père ont plus de nourriture qu'il ne leur en faut, et moi ici, je meurs de faim, pensa-t-il. Alors, il prit une décision très importante. Je me lèverai et je retournerai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il savait maintenant qu'il avait péché contre Dieu, que ce qu'il avait fait était mal. Il savait qu'il ne méritait pas d'être le fils de son père. Il avait tourné le dos à son père et suivi son propre chemin. Mais il s'est repenti. Cela signifie qu'il était vraiment désolé de son péché et qu'il s'est détourné de sa propre voie de pécheur. Tu ne mérites pas non plus la bonté de Dieu parce que tu as péché contre lui. Tu ne l'as pas aimé ou ne lui as pas obéi. Mais Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde pour te sauver de tes péchés. Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris ton péché sur lui. Dieu dit, le salaire ou le paiement du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu pour toujours. Jésus est mort à ta place. Puis il est ressuscité et retourné au ciel où il prépare une place pour tous ceux qui regrettent leur péché et l'acceptent comme leur sauveur. Ne tourne pas le dos à Dieu, le Père. Ne suis pas ton propre chemin. Jésus a dit un jour à des personnes, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Veux-tu te repentir de ton péché et venir à lui aujourd'hui en l'acceptant comme ton sauveur? Il te recevra et viendra vivre en toi. Dès qu'il eut pris sa décision, Pierre se leva, laissa les pourceaux et commença son voyage de retour vers la maison de son père. Mais que se passerait-il à son arrivée? Que dirait son père? Refuserait-il de l'accepter? Le renverrait-il et ne l'accueillerait-il pas de nouveau? Nous ne savons pas depuis combien de temps Pierre était parti de chez lui, mais son père l'aimait et avait envie que son fils rentre à la maison. Cela sembla un très long chemin de retour depuis le pays lointain, et Pierre se demandait tout le temps ce que dirait son père. Mais alors qu'il était encore assez loin, son père le vit et courut à sa rencontre. Jésus dit que le père a eu de la compassion pour lui. Cela signifie qu'il a eu pitié de lui, comme il fut heureux quand il a vu son fils. Quand ils se sont rencontrés, le père l'a serré dans ses bras et l'a embrassé. Puis le fils a dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et il ne put rien dire de plus. Avant qu'il ait pu en dire plus, le père appela ses serviteurs et dit, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et soyons heureux. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Ensuite, tout le monde s'est assis pour fêter le retour de Pierre. Le père a pardonné à son fils et l'a de nouveau accueilli dans la famille. Jésus a dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur est sauvé, quand il ou elle se détourne de son péché et accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur. Il a dit que si nous venons à lui, il ne nous rejettera pas sous aucun prétexte.
Dieu aime les pécheurs et a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour nous sauver. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix et a versé son sang. Il a payé ce que nous devions à Dieu à cause de notre péché. Dieu dit que l'âme qui pêche mourra. Jésus est mort à ta place et à ma place. Puis il est ressuscité des morts 3 jours plus tard. Aujourd'hui, il veut encore que les enfants et les jeunes et les adultes viennent à lui. Il veut que tu sois comme le fils cadet, que tu sois vraiment désolé de ton péché. Tu connaîtras alors le pardon de Dieu et un accueil dans sa famille. Le Seigneur Jésus vivra en toi afin que ta vie soit agréable à Dieu le Père. Peut-être te demandes-tu ce qui est arrivé au fils aîné, Jacques. Eh bien, il est resté à la maison et a travaillé à la ferme. Un soir, alors qu'il revenait des champs, il entendit des chants et ce qui semblait être une fête. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda « Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Que se passe-t-il ?» Le serviteur répondit « Ton frère est rentré à la maison. Ton père a tué un veau gras et ils font la fête parce qu'il est tellement content de le retrouver en bonne santé. Tout le monde participe aux festivités. » Jacques était très en colère. Il n'entrerait pas dans la maison et ne se joindrait pas aux autres. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce fils. Je pense qu'il était jaloux, n'est-ce pas? Il avait certainement de mauvaises pensées au sujet de son frère. Lorsque le serviteur dit à son père ce qui s'était passé, il sortit et supplia Jacques d'entrer. « Non, dit Jacques, j'ai travaillé pour toi toutes ces années et je ne t'ai jamais désobéi. J'ai toujours fait ce que tu me demandais de faire, mais tu ne m'as jamais donné ne serait-ce qu'un chevreau pour que je puisse faire une fête avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, revient, après avoir gaspillé ton argent en commettant des péchés, tu tues le veau gras pour lui et tu fais la fête. » Peut-être as-tu l'impression que quelqu'un d'autre a été mieux traité que toi, même si cette personne fait des choses qui sont un péché. Peut-être que tu penses que des gens comme ça devraient être punis ou qu'un malheur devrait leur arriver. Es-tu comme les pharisiens? Ils pensaient que Dieu devait punir les pécheurs, ne pas leur pardonner et ne pas les excuser. Mais Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous dit qu'il est prêt à pardonner à tous ceux qui regrettent leurs péchés. Les gens ne comprennent pas ça. Ils n'aiment pas que les méchants soient pardonnés. Mais eux, ils pensent qu'ils méritent le pardon de Dieu. Mais non, aucun de nous ne mérite d'être pardonné et d'aller au ciel quand nous mourrons. Nous méritons tous d'être séparés de Dieu pour toujours. Le père essaya de faire changer d'avis Jacques. Il dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Jacques avait raison. Il avait travaillé pour son père et avait fait ce que son père lui avait demandé de faire. Mais il ne l'avait pas fait par amour pour son père. Il était comme les pharisiens qui n'aimaient pas vraiment Dieu. Ils pensaient que parce qu'ils observaient toutes les règles, Dieu était satisfait d'eux. Ils ne comprenaient pas qu'ils ne pouvaient plaire à Dieu en observant toutes les règles. Il devait faire ce que Pierre a fait. Il était désolé de ses péchés. Il a tourné le dos à son ancienne vie et est venu demander pardon à son père. La Bible appelle cela la repentance. Quand il a fait cela, il a été pardonné et accepté par son père. Tu dois aussi faire de même, car aucun de nous n'est assez bon. La Bible dit « Il n'y a pas de juste ou parfait, non, pas un seul ». Jésus est le seul juste, le seul qui a vécu une vie parfaite, agréable à Dieu, son Père, Dieu.
Lorsque tu te tournes vers le Seigneur Jésus et l'acceptes pour te rendre juste devant Dieu, tu auras le pardon de Dieu. Es-tu désolé pour les choses coupables que tu as faites, dites ou pensées? Vas-tu te détourner de tes péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur? Il viendra vivre en toi pour que tu puisses vivre pour plaire à Dieu. Tu peux, par exemple, prier comme ceci en répétant ces paroles. Mon Dieu, je reconnais que j'ai péché et que je suis un pécheur. Je vivais loin de toi, sans toi. Je te demande pardon pour mes péchés qui me séparaient de toi. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés à la croix. Et je l'accepte comme mon sauveur personnel. Merci, mon Dieu, pour ton pardon et pour cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. Amen.